dreamland of sleep, slumber gently and deep in the dreamland of sleep. Docteur Smith est attendu en salle 3. À l'agence des jeunes filles au pair, ils m'ont dit qu'ils pourraient me trouver une place d'ici un mois ou deux. Et que j'irai en Amérique. J'en rêve depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle un accident. Chez les jeunes filles de votre âge, c'est souvent le cas. Ça va vous piquer un petit peu. Qu'est-ce que c'est ? C'est moins terrible que ça en a l'air. Allons, ne vous en faites pas. Dans 2 ou 3 heures, vous pourrez repartir. Le docteur va venir dans quelques minutes. Elle a eu un malaise. Il n'y a personne avec elle? Je ne sais pas, je l'ai vue entrer et elle s'est évanouie. Allez à la réception, appelez un médecin. Je suis médecin, ne vous inquiétez pas. Ah, ça y est, vous reprenez enfin les couleurs. Ça va mieux? Oui. Vous avez intérêt à vous ménager pour ce bébé qui va naître. C'est tellement irréel pour moi. Je ne sais pas, je n'arrive pas à imaginer que je vais être mère. Oh, je suis sûre que vous serez parfaite. On dit que c'est inscrit dans la nature féminine, c'est notre rôle. Peut-être, mais avec un enfant, je ne pourrai plus être engagée comme fille au pair. C'est fini maintenant. Je n'irai plus en Amérique. Franchement, j'aurais dû avorter. Vous avez fait le bon choix, Anna. Et vous verrez, je vous assure que le jour où vous tiendrez dans vos bras ce petit être fragile, tous vos doutes vont s'évanouir. Oh non, ça m'étonnerait. Vous avez tort de croire ça. Je ne saurais pas élever un enfant. Je sais ce que vous éprouvez. Moi aussi, je suis enceinte. Oh, c'est vrai. Félicitations. Merci. Ce qui ne m'empêche pas d'être aussi anxieuse que vous. Mais bon, nous voulons un enfant depuis si longtemps que je reconnais avoir du mal à comprendre qu'une femme n'accepte pas cette chance. Docteur Mitchelson? Oui. J'ai 2 places pour vous sur le prochain vol. Si vous me donniez votre téléphone, je vous appellerai une fois rentrée. Oh, vraiment, c'est trop gentil, mais franchement... Si, j'insiste. Entre futures mères, il faut être solidaire. D'accord. Cette deuxième fausse couche l'avait complètement anéantie, autant physiquement que moralement. Quelle torture d'entendre tous ces docteurs dire que ma fille n'était pas faite pour être mère. Ils ont même refusé qu'elle adopte. Alors j'ai écrit au gouverneur, lui racontant dans les détails la grossièreté de ces monstres. Quand j'y pense, quelle honte. Gloria ? Ah, voilà la belle. Je te confie une mission. Tu l'empêches de se lever de sa chaise. Je compte sur toi. Belle. Je vais mettre du champagne au frais. Je reviens chez toi. Ne bouge pas. Ah. Si.
de suite. Me traite comme une reine. Fais gaffe, ne fais pas n'importe quoi. Elle va pas avec ça, tu vas faire démarrer le bateau. Tu vas tout dérégler. Arrête. Bravo, je vous avais pourtant dit de ne pas laisser toucher à mon jouet. Je ne veux pas qu'on l'attaque. Ça sert à quoi? De quoi tu parles? Ah, ça sert à repérer le poisson. Et comment ça marche? Tu vois le gros bouton que tu tripotes, là? Il est vraiment... Tu le vois, ce bouton? Ouais. C'est un détecteur à infrarouge. Waouh, ça doit pas être donné. Ah, c'est Carla qui me l'a offert. Oh, cette bonne et brave Carla. Je porte un toast à Derek et Carla. À Derek et Carla, ouais. C'est vrai, vous avez du mérite, tous les deux. Vous n'avez pas eu la vie facile depuis 2 ans. Mon couple n'aurait pas survécu à tout ce stress. Quel couple? Oh, vous me vexez, là. Mais si, c'était Carla, tous les deux. Alors, Carla, ça... où as-tu mis les cendriers? Tu les as achetés, s'il te plaît, maman? La fumée m'est déconseillée. Demande à n'importe quel médecin. Hey. Dis-toi que je fumais 2 paquets de cigarettes par jour quand je t'attendais et ça ne m'a pas gêné le moins du monde. Ah, excusez-moi, je vous laisse. Non, reste. Alors, dis-moi, et cette nounou? Quelle nounou? Et pourquoi crois-tu que je t'ai envoyé toute cette documentation? J'en ai pris note, sauf que je ne suis pas encore décidée. Ah, si je peux t'aider à choisir, je ne pars que demain, je te donnerai des conseils. Ce n'est pas quand le bébé sera là qu'il faudra y penser, ma petite fille. Crois-moi, je sais prendre des décisions toute seule. Je n'ai besoin de personne pour m'assister. Mais tu y penses, tu as déjà quelqu'un en vue, non? Mais oui, Derek s'en charge, rassure-toi. Bien sûr. Hélène, je m'en occupe. Et elle vient de quel pays? Allô? Oui, c'est elle. Oh, bonjour. Oui, bien sûr. Le docteur Matheson, oui. Oh, c'est vrai? Ce serait génial. La prochaine fois, ce sera pour le baptême. Ah oui, je m'en réjouis déjà. Je tiens à vous remercier. Vous nous avez été d'une aide précieuse aujourd'hui. Merci, Monsieur Mitchelson. À bientôt, Andrea. Merci. À bientôt. Merci pour tout. Merci. Hola, docteur. Que pasa? Bonjour, Rico. Il est très classe, votre polo. Vous en avez pas un pour moi? Bien sûr. Ils sont dans le salon. Je t'apporte ça. Jolie. Tiens. C'est bien passé? Oui, aucun problème. Super. Alors, ce petit Lucas, il a l'air d'être en pleine forme. Oui, il va très bien. Il n'a pas trop pleuré dans l'avion? Non, il a été très sage. Tant mieux. Attends, je vais t'aider.
J'aime autant te dire que tu nous sauves la vie. On a dû voir au moins une dizaine de filles. Et tu es la seule avec qui Carla a vraiment eu un bon contact. Vous aussi, vous sauvez la vie. Et Carla, ça va? Oh oui, impeccable. Ça suit son cours. On attend patiemment. Oh, c'est trop beau ici. Ouais, c'est splendide. Waouh, c'est incroyable. Il n'y a que vous qui habitez là? Oui, évidemment. C'est sublime. Bonjour, Anna. Bonjour. Sois la bienvenue. Merci. Oh, il est adorable. Il a dormi tout le long du chemin. C'est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Ça te plaît? C'est super. Merci. Je vais vous aider. Un coup de main? Voilà. Ah, c'est pratique, ce truc. Tu dois mourir de faim. Le dîner est prêt. Je viens de mettre la table. Voilà ta chambre. J'espère qu'elle te plaît. Tu es chez toi. Tu peux l'organiser comme tu veux. C'est génial. J'en ai jamais eu de si belle. Il faudra bientôt acheter un deuxième lit. Oh, il n'est pas circoncis? Non, pourquoi? Ah, parce que c'est... On le fait souvent chez nous, c'est plus hygiénique. C'est vrai? Tu entends ça? Hein? Yo! Y a quelqu'un? C'est toi, Anna? Ah bah dis donc. Tu m'as fait peur. Je vois que toi aussi tu as été surprise. Excuse-moi, personne ne descend jamais ici, je suis pas habitué à voir du monde. Je me sens bien ici, je m'y retrouve, c'est un peu mon antre. Je n'arrivais pas à dormir. C'est sûrement l'excitation du voyage. Sûrement, ouais. C'est tout à fait normal. Si tu veux, tu peux me tenir compagnie. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'essaie de faire un moulage de ce requin. Je dois le dépecer et puis le vider, bien sûr. Tiens, tu vois celui-là? Oui. Là, c'est la chair. Et pour réaliser une copie parfaite, c'est pas évident. Pour être le plus fidèle à la réalité, j'utilise les tissus synthétiques dont je me sers en chirurgie. Vas-y, tu peux toucher. Non, mais vas-y, Franco, touche-le. Quelle impression? C'est chaud. Ouais, il y a un produit qui conserve la chaleur. C'est sûr que pour lui, ça n'a plus vraiment d'importance. Mais je m'en sers surtout pour les implants mammaires. Il vaut mieux que ces petites choses soient douillettes ou touchées, non?
Tu veux m'aider? Ben, je vois pas comment. Viens là, je vais te montrer. Tiens. Prends ça. Tu es prête? Ta première opération. Ok. Non, ferme pas les yeux, regarde. Coupe, vas-y. Encore qu'une enfant. Elle est bien trop jeune pour s'occuper d'un bébé. Tu as vu comment elle néglige son enfant? C'est évident qu'elle préférerait rester toute la journée sur la plage. C'est une chance pour le bébé de nous avoir trouvés. Nous avons raison d'agir ainsi. Derek, c'est loin, le centre-ville? Le centre-ville? Pourquoi faire? Oh, comme ça, j'ai vu qu'il y avait une liste de courses. Ça me ferait faire une balade et je prendrais des photos. Je prends... Une balade? Quelle balade? On est à des kilomètres du centre-ville, Anna. Oh, j'ai l'habitude de marcher. Je ne sais pas conduire, de toute façon. Oh, il faudra que tu prennes des leçons. Ici, on ne peut rien faire sans voiture. J'aimerais me rendre utile un peu. J'ai l'impression d'être en vacances. Oui, alors, tant mieux, au contraire. Profites-en. Ne t'en fais pas, du travail, tu vas en avoir. Derek, c'est ma mère au téléphone. Elle s'est blessée. Elle est dans une clinique à Ensenada. Elle veut te parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle a glissé chez des amis au bord de la piscine. Elle s'est cognée la tête. Heureusement, ils ont tout de suite appelé une ambulance. Le problème avec ma mère, c'est qu'aucun médecin ne peut la toucher avant qu'elle n'ait parlé à Derek. Bon, alors, je viens d'avoir le médecin. Apparemment, elle aurait une commotion cérébrale. Et naturellement, elle refuse de prendre ses médicaments. Je lui ai dit que je venais la chercher. Bien, je viens avec toi. Non. Tu ne vas pas aller à Barra dans ton état. Tu restes à la maison, je fais l'aller-retour. Écoute, si tu la ramènes, le temps que tu prépares ses bagages et que tu fermes la maison, tu en auras au moins pour 2 jours si tu y vas tout seul. Si tu vois une autre solution, moi, pas. Je peux peut-être y aller, moi. Oh, merci, Anna. Franchement, c'est gentil, mais ça ne changerait rien. Je ferai ces bagages et vous passeriez à la clinique. Pour une fois que je peux me rendre utile, laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Non, je peux y aller et je veux y aller. Non, car là, je suis absolument contre. Ça prendrait combien de temps, d'après vous? Oh, mais bien, en fait, je dirais qu'on peut être revenu demain après-midi si on y va maintenant. Alors, je suis partante, si je peux vous confier Lucas en attendant. Il est en bonne compagnie avec vous, il ne risque rien, je suis pas inquiète. Tu es sûre? Ouais, je vais chercher quelques affaires. C'est où, Baja, exactement? Au Mexique. Oh, c'est cool. C'est un beau pays aussi. J'ai vu de super belles photos sur le Mexique. Il y a de ces paysages. Vous y allez souvent? Non, le moins possible. Je peux même te dire que j'aimerais ne jamais y avoir mis les pieds. Ah bon? Pourquoi? Écoute, on n'a pas le temps, là. Regarde un peu sur la carte. J'ai dû louper un arbre. Oui. Merci. Mais je ne sais pas où on est. Non, on ne sait pas. Je n'ai pas.
pris le bon chemin, mais on n'est pas perdu. Il y a une station là. On va s'arrêter, on va demander. Oui. C'est la première fois que je fais la route de nuit. C'était affreux. Reviens, je t'en prie. Reviens-nous, mon ange. Je repasse dans une heure. T'as eu un accident? Non! Remonte dans le camion! Quoi? Il faut que je retrouve le docteur Matheson. Tu peux m'aider? Ça va, j'ai compris, c'est bon. Calme-toi. On va le retrouver, ton docteur. Allez, bon.
Toi d'abord. Bon, un petit verre. Allez, relax, ça va. Ils ont voulu m'enterrer, vivante. C'est là que ça s'est passé. Stop, stop! C'est bien là. Tu en es sûr? Ouais. Alors là, tu m'étonnes. À quoi? Attends, je comprends pas. C'est chez mon oncle ici. Si, si, je suis sûre. Je reconnais. C'était là, ici. Derek était sorti pour demander le chemin. Oh, le pauvre, il doit se demander où je suis. C'est qui, Derek? C'est le docteur dont je t'ai parlé. Je travaille pour lui et sa femme. Je suis fille au père. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on dort. J'ai pas sommeil, moi. Écoute, demain, je t'emmènerai en ville. Et ensuite, bye-bye. D'accord? Allez, à demain. Mais... C'est comme ça. Tiens, bonne nuit. Thank you.
Eddie. Eddie, c'est le mec que j'ai frappé avec la pelle. Non. C'est le mec que tu as tué avec la pelle. Hein? J'ai tué un homme? Qu'est-ce qu'on peut faire? Viens, allons-en. Il faut que je retourne à Los Angeles. Il faut que je retrouve mon bébé. La ferme! Je veux rien savoir sur toi. Ta vie, elle m'intéresse pas, tu entends? Si ces deux mecs sont morts, c'est à cause de toi. Et je veux pas savoir pourquoi. Jamais. D'accord? Aide-moi, dépêche-toi. Quoi? Aide-moi le sortir, mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'enterrer. Et l'autre aussi. Pero espérate que empiece a usar ese teléfono con una cora americana. Sí. Sí, señores. Comment ça arrive, ça? Il n'y a pas un jour que je suis rentré et il faut que je reparte. Tu étais parti où? En Californie. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'y ai vécu quelques mois. Il y a presque toute ma famille. Alors pourquoi t'es revenu? Je suis mexicain. Ici, c'est le Mexique. Ça me suffit comme raison. Carla! Oh,
Oh, il est adorable. Vous pouvez être la femme la plus heureuse du monde. Oui, je suis très heureuse. Ah, j'allais oublier de vous donner ça. Les noirs et blancs sont à ma mère. Tout sera prêt en même temps? Oh oui, sans aucun problème. Oh, il est mignon. Tu es mignon, toi, tu sais. Tu vois, mon ange, il n'y a pas que maman qui t'aime. Tout le monde t'aime. Tu es bien beau, hein? Oh oui, alors c'est un beau bébé, ça. Je tâche de faire au plus vite. Parfait. Je te laisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Anna. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Merci. Quiere hablar con él. El diálogo cuando... Je veux savoir où est Sanchez. Je n'en sais rien. Bon, écoutez, je ne vous connais pas et je ne veux pas vous connaître. Dites-moi seulement où est Sanchez. Je n'en sais rien, je vous jure. Hey! Hey! Qu'est-ce que vous voulez? Ah! 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 Thank you.
croyais te l'avoir vu. Sam, c'est joli, hein? Viens ce soir, maman, ça me ferait tellement plaisir. Bon, d'accord, quand tu pourras. J'ai hâte de te le présenter. Au revoir, moi aussi. Où t'étais? Oh, mon chéri. Salut. Tu as une de ces mines, tu es tout pâle. Je vais te faire couler un bon bain et Carla, nous allons dîner. Vas me répondre où t'étais? Je t'ai laissé un mot, non? Je l'ai lu ton mot, merci. Ça fait une heure que je tourne en bagnole à ta recherche. Excuse-moi, je suis désolée. Je pensais que... Oh, mais Derek, on a passé une journée merveilleuse avec Sam. N'est-ce pas, mon amour? Les gens sont en admiration devant Sam. Carla, c'est pas sérieux, rappelle-toi ce qu'on a dit. Tu ne dois pas sortir de la maison. Tu imagines, je rentre à peine du Mexique, c'est imprudent. C'est... On prépare un bon bain chaud à papa. Qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Je lui ai dit que je venais d'être maman. Dès qu'elle a un moment, elle fait un son. Oh, mais pourquoi tu as fait ça? Non, réponds-moi, tu es inconsciente? C'était pas dans nos plans. On avait dit pas de visite avant un mois. Derek, arrête de t'inquiéter. Tout se présente à la perfection. D'ailleurs, le seul détail qu'il reste à régler ne concerne que moi. Mais... Tu as dit qu'il fallait le faire ce soir. Non, Carla, non. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Ah si, j'y tiens. Oui, c'est pourquoi. Vous êtes Arlan Ramirez? J'ai réparé votre voiture? Non. Dans ce cas, je suis bien Arlan. Je m'appelle Eddie Sanchez. Carlos Sanchez était mon oncle. Claro que si, como no. Ah, on a souvent été en affaire avec Carlos. Oui. Oh, t'as rencontré ainsi que ta... femme? Charma. On a besoin de votre aide. Oui, je sens ça. On voudrait passer la frontière. Ça devrait pouvoir se faire. Et il me faut une voiture quand on sera de l'autre côté. Oh, si, ça peut s'arranger. Je l'aimais bien, son oncle. C'était quelqu'un de bien. Quelqu'un de très bien. Tenez. C'est tout ce que j'ai. Il y a $327. Bon, on devrait pouvoir s'entendre. Vous n'avez pas un endroit où on pourrait dormir? Mi casa es su casa. Pasez-les, señorita. Aïe. Tu m'aides? Je t'aide, moi? Bah oui. Qui te dit que c'est pas moi que j'aide dans l'histoire? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a tant de choses que tu ne sais pas sur moi. Tellement de choses. Je ne demande qu'à en savoir plus.
Tu es sûre que tu ne veux pas une générale? Non, local, je préfère. Just like the fool, I fell into the pool. Now I'm feeling swimming pool. A startling shade, no need to be afraid. No mood in the gown, no. Anna? Anna! Anna! Je suis là. Je rêvais que tu étais partie. C'est idiot, non? Je sais que tu mens. Non. Je t'ai pas menti, qu'est-ce que tu racontes? Si, je le sais. Tu es l'un de ces hommes. De qui tu parles? De la bande qui nous a agressés, moi et le docteur Matheson. Explique-toi. Un détail. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce tatouage-là sur ton bras, c'est le même que celui qu'avait l'homme que j'ai frappé, celui que j'ai tué avec la pelle! Tu m'as menti, j'ai cru que tu m'aimais, mais tu es meilleur! Anna, écoute-moi! Je t'aime! Kayate! Tu as raison. Sauf que c'est moi qu'ils étaient venus tuer. Mais pourquoi? Je faisais partie d'un gang à Los Angeles. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je suis parti. Pourquoi ils voudraient te tuer alors? Le jour où tu rejoins Los Aztecas, la seule porte de sortie, c'est la mort. Pourquoi tu es revenu? Je suis revenue parce que j'ai peur et que je ne sais pas où aller, que je ne connais que toi et qu'il n'y a que toi qui puisse m'aider et retrouver mon bébé. En mon absence, ce petit coquin. Félicitations, mes chéris. Oh, c'est trajet en avion. J'ai un mal de crâne, mes enfants, c'est rien de le dire. Alors, et toi, comment vas-tu? C'est un peu douloureux encore. Oh, mais ça va. Tu veux voir la cicatrice? Mm-hmm. Derek, c'est vous qui avez fait ça? Oui, mais c'est une toute petite incision. Tu ne devrais pas te lever, voyons. Il faut attendre que les points cicatrisent. Dites-lui, Derek, c'est vous le médecin. Mais je n'arrête pas de lui dire, mais vous savez comment elle est, votre fille. Elle n'en fait qu'à sa tête. Alors, où est-il? Dans sa chambre. Il vient juste de s'endormir. Ça pourrait le réveiller. Mais non, Derek. Il dort depuis une heure. Oh,
va aller le voir, sans faire de bruit. Oh, comme je suis fière de toi, depuis le temps qu'on l'attend. Regarde ce joli petit ange. Oh oui, il est gracieux, mais il est très grand pour un nouveau-né. Combien pèse-t-il? Je ne me rappelle plus. Il est en bonne santé. C'est tout ce qui compte. But the last time I said goodnight, I wish I had looked in your eyes. The last time we said goodnight. Tenez, au revoir. Je croyais qu'on avait dit qu'on s'attendait. Hmm? Mais je t'ai attendu. Ah ouais? Oui, je t'attends depuis 3 heures. Mais... tu sais que j'ai laissé mon bébé tout seul. J'ai trop envie de lui dire que je l'aime et de le serrer dans mes bras. Oh, je ne sais pas, pardon. Excuse-moi. C'est rien. A pu passer avec son enfant. Elle a pas voulu que je le porte. Elle aurait pu passer, mais elle n'a pas voulu me le confier. Monter dans le prochain camion. Je ne pourrai pas conduire. Non, je vais chercher un médecin. À gauche, en bas de la route, il y a un snack. La serveuse pourra t'emmener. Non, Eddie. Demande-lui de te conduire chez les flics. Si tu veux retrouver ton enfant rapidement, vas-y, je t'assure. Je veux pas te laisser tout seul. Tu fais ce que je te dis. Ok? Ne reste pas avec moi, Anna. J'étais en liberté conditionnelle. On va me rechercher. C'est dangereux pour toi. Est-ce que tu comprends? J'étais en prison pour meurtre. Quoi? Quoi? Quel meurtre? Hé! J'étais avec mon frère, Rico. C'est moi qui conduisais. On s'est arrêté à un feu. Et voilà que mon frère... ouvre la fenêtre, sort un flingue et tire. J'ai essayé de l'en empêcher. Les gens criaient et hurlaient autour de nous. Je redémarre en vitesse. Et j'aperçois, dans le rétro, un jeune gamin étendu par terre. Le corps en sang, en train de mourir. Mais ce n'était pas ta faute. C'était ma bagnole. Alors j'étais responsable. Non, pourquoi tu ne leur as pas dit exactement ce qui s'était passé? Parce que c'était mon frère le plus jeune. Allez. Lève-toi. Non, Anna. Je t'ai dit, je peux pas conduire. Moi, je peux.
Bon. Tu ne te rappelles rien. Leur adresse, ça te revient pas? Et le quartier non plus? Je n'en sais rien du tout. C'est une immense maison, il y a une piscine, et on voyait la mer, une immense villa avec une piscine. Avec ça. Ils ont un bateau et... Oui, ils ont une petite plage. Toi, dis-moi. Ah oui. Il a faim, ce bébé. Tiens, c'est pour toi, c'est bon. Et voilà. Je croyais que tu m'avais dit que tu l'allaitais. Quoi, moi, je te dis ça? Ça m'étonne. Si, si, je m'en souviens bien. Nous en avons parlé hier au téléphone. Tu m'as dit que c'était beaucoup plus sain pour la santé de Sam. Qu'en l'allaitant, il avait moins de risques de je tomber ne peux malade. Je ne pas l'allaiter. Sans compter, bien entendu, la perte de sommeil pour toi et des règles. Maman, Sam ne veut pas de mon lait. Alors, comment se fait-il? C'est fréquent. Il y a des bébés qu'il refuse. Oh. Oh, c'est un peu triste. C'est une expérience si merveilleuse pour une mère. Mais bon, quand m'as-tu dit que la nounou devait venir? Dans 3 semaines. Tu te débrouilles tellement bien. Oh, je suis ravie pour toi. Il est magnifique, ce petit. Et ce courage que tu as eu, vraiment, tu le mérites. Pourquoi on me dit toujours que je fais les choses si bien? Carla, tu es incroyable. Carla, tu as beaucoup de mérite. Comme si j'avais droit à une palme d'or pour avoir le courage de marcher et de respirer. C'est usant, à la fin. Comme si tout le monde, et toi surtout, pensait qu'à tout instant je pouvais m'ouvrir les veines ou carrément plonger dans la baignoire avec le grille-pain. Je sais très bien ce que tu penses de moi, maman. Ce que les gens pensent tout en gardant le silence. Service carte grise et déclaration de véhicule. J'aimerais avoir une information sur un bateau, s'il vous plaît. Voilà. Et votre fille? Excusez-moi. Vous êtes la mère de Carla Mitchelson? Je n'oublie jamais un visage. Vous êtes déjà venue, je crois, ah, non? Ah oui, en effet. Comment va le petit? Le petit? Oui. Le bébé. Ça va, merci. Oh, si je pouvais vous donner leur photo, ça m'arrangerait. Oui, certainement. Dans la voiture. Vous arrivez à lire ce qui est écrit, là? Oui. Thème restaurant. C'est à l'aéroport, je crois. Maman, je te croyais partie. Tu as oublié quelque chose? Où est Derek? Il avait rendez-vous chez le garagiste. Pourquoi? Je voudrais voir le bébé. Sam vient de s'endormir. Qu'est-ce qui se passe? Si tu l'appelais par son vrai nom. Quoi?
Qu'est-ce qui te prend? Tiens, ce n'est pas ton bébé. D'où tu sors ça? As-tu payé cette fille pour avoir son enfant? Tu ne l'as quand même pas acheté sous prétexte que tu ne peux pas en avoir. Tu aimerais que ce soit vrai, avoue. Tu aimerais tellement me voir échouer une fois de plus. De toute façon, quand je suis heureuse, tu ne le supportes pas. Comment peux-tu dire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, à la mort de ton père, qui était là à part moi? Ah oui, tu t'es bien occupée de moi. Toi et personne d'autre, toujours selon tes goûts et tes idées. Tu ne sais même plus ce que tu dis. Tu as besoin de soins et de repos. Et je pense qu'il faut rendre ce bébé à sa mère. Pas question, ce bébé est à moi. Je n'arrive pas à me repérer. On l'a peut-être déjà passé. On va continuer jusqu'à la pointe. Ne t'inquiète pas, pas loin de Bouvette, bébé. Non, c'est pas là. Il y a trop de maisons par ici. Salut. Salut. Tout se passe bien? Oh, la lumière est vraiment sublime ici. Je te laisse t'occuper de ton fils. Je vais te chercher quelque chose à boire. Allez, tu veux jeter un œil? Regarde, ça te plaît? On peut voir des dauphins, des requins, et il y a parfois des baleines aussi. Ouais, tu y es presque. Tu veux regarder? Non? Attends, je vais te trouver quelque chose. Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi? Non, je vais rendre le bateau. Je veux pas me faire pincer. Et puis il faut absolument que je voie mon frère. D'accord. Anna! Tu seras une mère fabuleuse. Ah, j'étais inquiet, Anna. Enfin, tu es revenue. Oh, tu m'as manqué, tu sais. Tu vas bien. Oui, je suis là. Et vous, alors? Oh. On a vraiment eu peur. Quelle histoire. Il faut croire que je n'avais pas le bon numéro. J'ai essayé et l'opératrice m'a dit... Oh, vraiment, c'est... Tu penses bien qu'on a tout de suite appelé la police. La police mexicaine aussi. Le consulat allemand et cet ami, Brian, qui travaille au FBI. Je suis vraiment désolée. Cet homme qui t'a ramené... Eddie Sanchez. Eddie Sanchez? Oui, il m'a vraiment sauvé la vie. Justement, il n'y aurait pas moyen de lui dire de venir. J'aimerais vraiment pouvoir le remercier. Non, il est parti. Tu en es sûr? S'il te plaît, Derek.
Tu dois sûrement être fatiguée. Si tu veux, je peux te faire couler un bon bain chaud. Je pourrais m'occuper de Lucas pendant ce temps. On s'est vraiment bien entendu. On était toujours ensemble, tous les deux. Je peux le garder un petit peu plus. Non, je ne veux plus jamais qu'on se sépare. Hein? Oh, tu es beau. Oh, les jolis petits petons. Je vais les manger, moi, ces jolis petits petons. Regardez comme il est content. Oh, oui, 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 oui. Vous croyez que je lui ai manqué? Hein? Oh, oui, bien sûr. Hein, que je t'ai manqué. Tiens, coquin, toi. Un petit coquin. Oh, c'est gentil. Dors bien. Au revoir. Au revoir. On dit au revoir à Carla? Comme ça. Hein, Lucas? Oh. Si tu as besoin de moi, tu appelles. Oui, merci. Merci pour tout. Tu es le plus beau bébé de la terre. Et je t'aime toujours. C'est génial, je suis super content de te voir. Oh, la sale gueule que tu te fais. Depuis quand t'es sorti? On va savoir, non? C'est con, t'aurais dû m'appeler, Eddie. J'aurais prévenu les potes, on serait venu te chercher. Ouais, vous m'auriez préparé une fête. Mais Adine, toi et moi. T'emballe pas, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé, le gang, je suis plus dans le coup. 6 ans, j'ai fait 6 ans. Tu crois que c'était pour toi, Rico? Tu te rappelles, le deal? Je t'ai dit que j'étais plus dans le coup. Dis-leur de me lâcher. Quoi? Personne t'en veut? Écoute, depuis que je suis dehors, j'arrête pas d'éviter les balles. Il y a carrément 2 connards de ta bande qui ont rappliqué à Rancho Seco. Ils voulaient me liquider. C'est pour me dire ça que t'as fait tout ce chemin? Ah, Eddie, t'as vraiment ramolli de la tête, je te plains. Je te conseille de rentrer au pays, sinon tu vas dérouler. Je partirai quand tu m'auras dit ce qui se passe, enfoiré! C'est pas toi qui étais visé, c'est une erreur, bordel! Tu comprends? Une erreur! Erreur? Oui, une erreur! Et merde! D'accord. Et c'est quoi comme genre d'erreur? Oublie, cherche pas à comprendre. T'as ruiné ma chemise, regarde ça! Ils avaient un contrat. Bah, je pouvais pas savoir que tu serais chez l'oncle, t'es marrant. Contrat? Tu t'es pointé 4 mois trop tôt, putain. Sur qui? T'es jamais là quand il faut. C'est l'histoire de ta vie, remarque. Qui il devait descendre? Le scénar habituel, des gens pleins aux as qui veulent que tu fasses le sale boulot à leur place. Qui il devait descendre? Une gonzesse, mon vieux, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu veux quitter le gang? Écoute, t'as ma parole, tu peux te barrer, vas-y, je te jure qu'il t'arrivera. Mais ne reviens pas. Tu me déçois un maximum. Je t'avais donné une chance de former ton lit. On reste frère, Ed. Non. Je suis pas ton frère. Tes frères, tu les as choisis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort.
avec mon bébé. Carla, je vais mettre un terme à cette histoire. C'est aller trop loin. Je vais les renvoyer en Allemagne. Quoi? Certainement pas. Chérie, écoute-moi. Tu es en train d'oublier un détail important. Il y a un témoin gênant à présent. Ce type-là, c'est Eddie Sanchez. Il sait des tas de choses. Il pourrait parler. On aurait des ennuis. Ça devient trop dangereux. On n'a fait de mal à personne. Personne. Personne n'est mort. On n'a rien à craindre. C'est une chance. La seule personne qui a vu ce bébé, c'est ta mère. Elle ne parlera pas, tu peux me croire. Comment ça? Ce n'est pas ma faute. Je n'y suis pour rien. Elle est revenue. Elle avait des photos de cette fille. Elle a voulu emmener ça. Comment est-ce qu'elle a eu ces photos? Franchement, Derek, comment as-tu pu négliger ce détail? Tu aurais dû t'assurer qu'elle n'avait pas pris de photos. Carla, que s'est-il passé? Ce n'est pas ma faute. Mais tant que je serai en vie, il est clair que plus jamais personne ne prendra mon bébé. Je veux savoir ce qui est arrivé à ta mère. Non. Moi, je n'y suis pour rien. C'est un accident. Je me rappelle que j'étais allongée sur le trottoir, les jambes couvertes de bris de fer. Je ne voyais rien. Je n'entendais plus rien. J'étais consciente, mais inerte, le trou noir. J'entendais juste un bébé pleurer. Je sentais mon bébé dans mon ventre en train de se débattre. Mais j'étais impuissante. Je ne pouvais pas bouger. Qui est responsable, Derek? Ça suffit, je n'y suis pour rien. C'était un accident. Non, c'est faux, ce n'était pas un accident. Tu avais bu, Derek. Tu avais bu et tu as perdu le contrôle de la voiture. Jamais remettre cette horreur. Tu savais combien de travail et tu as lamentablement échoué. Eh, je sais pas quoi vous dire, moi. C'est peut-être la petite sœur à Freddy. Bon, écoute, je n'ai vraiment pas de plaisant. Eh, oh là, doucement, mon vieux. Je veux que ce soit fait ce soir. Vous déconnez, là? Non, je ne suis vraiment pas d'humeur, crois-moi. Bon. Je t'ai remis 10 000 dollars, je pense avoir été plus que généreux. Amenez-la sur votre bateau à minuit. Bien. Ok, entendu. C'est ça. Thank you.
Tu savais que j'avais eu deux bébés? Je les ai perdus. Et puis un jour, les médecins m'ont dit, vous ne pourrez jamais mettre un enfant au monde. Vous ne serez jamais mère. Mais je savais ce que c'était qu'être maman. Je me suis sentie mère dès le moment où je suis tombée enceinte. Sauf que j'ai jamais eu de bébé. Ah, Thérèse. Oh, le pauvre. J'étais insupportable avec lui. Tellement injuste. Alors qu'il me donnait tout son amour. Toujours près de moi. Pendant cette grossesse, il m'a vraiment beaucoup aidée. Du début à la fin. À l'accouchement aussi. Et j'ai enfin mon bébé, mon petit Sam. Carla. Tu ne crieras pas. Il ne faut pas que tu cries parce que... tu pourras le réveiller. Arrêtez, rendez-le-moi. On t'avait confié une vie. Et toi, tu t'en fichais, tu allais la briser. Moi, je voulais un bébé. Je voulais un bébé, mais je ne pouvais pas en avoir un. Et toi, tu voulais, tu le tiens. Mais je l'ai gardé. Encore faut-il le mériter. Quoi, tu t'imagines que parce qu'on est riche, on peut s'acheter un bébé? Ah, c'est ça que tu penses? On paie et on peut avoir un bébé? Je refuse. Dis-toi que tu avais un bébé. Et dis-toi qu'il est à moi, ce bébé. Oublie-le. Oh, Carla, c'est pas vrai. Et merde. Un geste. Ne bouge pas. Regarde-moi bien. Parce que je veux que tu saches qui je suis. Voilà, je m'appelle William Stone. Tu as tué mon fils il y a 6 ans. C'est quoi cette justice, Monsieur Sanchez? Hein? Je ne l'ai pas tué. C'est toi que j'ai vu devant le juge. Je m'en souviens bien. Pourquoi je te croirais? Pour quelle raison? Parce que c'est la vérité. Écoutez, faites ce que vous devez faire. Moi, je dois grimper là-haut, et vite. Reste tranquille. Dès que Rico sera là, on s'en va. Il est en retard. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il va venir. Décidément, t'attires la merde comme la merde attire les mouches, toi! Qu'est-ce que tu fous là, bordel? T'as rien à voir là-dedans, fous le camp! Qui c'est ce fils de pute, hein? Tu suis ton petit frère à la trace ou quoi? Tu t'en fous de savoir qui tu descends? Tant qu'il y a un mec qui est là et qui paye pour toi! Arrête, c'est toi qui as voulu prendre ma place et tu le sais! Moi, je t'avais rien demandé. Je le visais pas, ce gosse, il était là, j'y peux rien. T'es vraiment trop con. Je m'en fous de savoir qui c'est, ce fumier. Ce qui se passe là, c'est entre toi et moi. Hermanos. Non, Rico. Alors, tu m'arrêtes pas? Prends le flingue, qu'est-ce que t'attends? Non, tu vas pas tuer ton frangin.
crois pas que t'es assez grand. Non, t'es un mec rangé, t'as pas assez de sang-froid. Tu pourras pas, je le sais. Allez, vas-y. Eh bien. Vas-y. Tire. Après, il en met un temps. Va me chercher un gilet et une couverture pour lui. Non, Carla, tu ne viens pas. Ne discute pas, je viens avec toi. Tu as besoin de moi. Rien, je sais pas, non, rien. Ne refais jamais ça. Debout. Avance. Va chercher des couvertures. Il fait froid. Allez, vas-y. Ne lui faites pas de mal. Je ne peux pas lui faire de mal, je suis sa maman. S'il vous plaît, donnez-le-moi. Il est à moi, Anna. Il est à moi.
Non. Carla! Darling Shane, no need to be afraid. No mood indigo, no, this blue's got a glow. Brighter than sorrow, but blue just the same. There's no other color that can claim that name. Swimming pool, that bittersweet hue. Shockingly serene with just a hint of green. New kind of blue for me to live through until my dreams come true. A rosy dream of joy and wonder. A vision of a love that's higher. But now it seems I'm going under, diving and drowning in dizzy desire. Swimming pool, that bittersweet hue, shockingly serene with just a hint of green. New kind of blue for me to live through until my dreams come.